Ah, enfin. J'espère que vous avez trouvé facilement. Maintenant, vous commencez votre nouvelle vie au sein de la confrérie noire. Vous faites partie de la famille, après tout. Comme vous pouvez le voir, ceci est notre sanctuaire. Vous ne trouverez pas d'endroit plus sûr dans tout bord de ciel. Notre famille, trésor. Notre famille. Ensemble, unis, pour ne former plus qu'un, les membres de la confrérie noire peuvent accomplir n'importe quoi. Mais vous devez avoir hâte de vous mettre au travail. Je suis en train de vous arranger une mission, mais il me faut encore un peu de temps. Allez voir Nazir. Il a plusieurs petits contrats. La mère de la nuit arrivera bientôt. À ce moment, les choses deviendront à coup sûr bien plus intéressantes. Ah, une dernière chose. Voici un cadeau de bienvenue. L'armure de la confrérie noire. Qu'elle puisse vous servir dans toutes vos entreprises. La dame impie, la femme voilée, la maîtresse du néant. Elle porte bien des noms. Il y a des siècles, Cytis donna 5 enfants à une femme. Elle les tua pour obtenir ses faveurs et devint ainsi la mère de la nuit. Si vous croyez à ce genre de fable. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un squelette, un cadavre antique. Mais plus important encore, un corps que son gardien conduit jusqu'à ce sanctuaire. Oui, il y a quelques mois, le gardien de la mère de la nuit m'a appris qu'il avait quitté Cyrodiil et était arrivé en bord de ciel. La crypte de la mère de la nuit à Braville a été détruite suite au chaos engendré par la guerre contre les Talmor. Il a fallu la déplacer. J'ignore où le gardien était passé ces derniers mois, mais j'ai reçu une autre lettre récemment. Il amènera la mère de la nuit ici, très bientôt. Il venait de la mer de la nuit avant. Les clients potentiels réalisaient le sacrement noir et elle entendait leurs prières. La mer de la nuit transmettait les informations à l'oreille noire, qui envoyait alors un parleur arranger la mission avec le client. Mais c'était il y a bien longtemps. Cela fait des années qu'il n'y a pas eu d'oreille noire, depuis que Cyrodiil a été envahi pendant la guerre contre les Talmor. Mais les gens l'ignorent. Ils continuent à réaliser le rituel, et nous finissons par en entendre parler. Quand quelqu'un veut nous trouver, nous le découvrons. Essayez d'éviter. Mais je sais bien que ce n'est parfois pas si facile. Vous aurez peut-être à faire passer un message ou à exécuter une mission nécessitant un meurtre en public. L'assassinat est un crime très sérieux, naturellement. Une récompense considérable sera offerte à qui vous livrera au fort où l'acte a été commis. Vous pouvez fuir, bien sûr, mais votre tête sera toujours mise à prix. Si un garde attaque, vous pouvez tenter de vous rendre en rangeant votre arme dans son fourreau. Si le garde accepte, vous pouvez purger votre peine en prison ou payer la récompense sur votre tête. Nous sommes tous passés par là. Nous faisons le nécessaire pour survivre. Mais il existe une autre option. Certains membres de la guilde des voleurs à Faïez parviennent à effacer la prime sur leur tête. Pour un certain prix. C'est à méditer. Autrefois, la confrérie noire était liée par 5 dogmes. Mais nous avons cessé de les observer il y a plusieurs années. Toutes ces règles, toute cette discipline. Regardez où cela a mené la confrérie noire. Nous sommes les seuls qui restent, et nous vivons comme ils nous chantent. Une seule. Respectez votre famille. Si vous faites cela, le reste ira tout seul. Ce sanctuaire est toute ma vie depuis que je suis une jeune femme. C'est à ce moment que j'ai découvert mon aptitude, dirons-nous, pour l'élimination. J'avais un oncle, voyez-vous. Il m'a fait des avances déplacées. Alors je l'ai tué. J'y ai pris du plaisir. Puis j'ai tué à nouveau. J'y ai pris encore plus de plaisir. Et ainsi de suite.
La confrérie noire m'a recrutée et je ne l'ai pas quittée depuis. J'ai rencontré mon mari, Arnbjorn, et j'ai grimpé dans la hiérarchie. Et voici où nous en sommes. N'oubliez pas de vous présenter aux membres de votre nouvelle famille. Ils sont tous impatients de faire votre connaissance. Encore, encore! Refaites celle où il essaie de vous acheter des bonbons. D'accord, d'accord. Attendez. Alors voilà. Oh, quelle jolie petite fille! Elle voudrait un bonbon, la mignonne? Oh oui! Et pourquoi pas plutôt du chocolat? Oh oui, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh, comme vous êtes jolie! Votre beau sourire, vos dents! Vos dents! Non! Ah! Oh oui, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh, comme vous êtes jolie! Votre beau sourire, vos dents! Vos dents! Non! Ah! Et qu'en est-il de votre nouvelle petite amie, Arnbjorn? J'ai entendu parler d'une cagite, une marchande, certainement. Et vous, Festus? Comment s'est passé votre dernier contrat? Oh oui, s'il vous plaît, vieil homme. Amusez-nous avec vos récits de sorcellerie. Hein? Voilà notre jeune imbécile. Toujours à railler l'expérience et l'intelligence. Mon contrat s'est fort bien passé, vous savez. J'ai essayé un nouveau sort. Un petit truc sur lequel je travaillais pendant mon temps libre. J'étais à deux doigts de corriger ce prêtre. Ah, quel bâtard! Et qu'en est-il de votre nouvelle petite amie, Arnbjorn? J'ai entendu parler d'une cagite, une marchande, certainement. Oh, un gros chien qui court après un minou. C'est mignon. Je ne suis pas adorable, c'était pas drôle, et il n'était pas marchand. C'était un moine cagite, un maître de la technique du murmure de crocs. Maintenant, il est mort. Et j'ai un nouveau pagne. Laissez-moi deviner. Astrid n'a pas précisé que je suis son époux. Elle a tendance à le passer sous silence. Elle ne veut pas que les autres s'imaginent qu'elle me favorise. Écoutez, si vous essayez d'apprendre à me connaître, évitez-vous cette peine. Je ne vous aime pas et je ne vous aimerai jamais. Ça n'a rien de personnel, mais... ma femme vous fait confiance et je me fie à son jugement. Alors vous ne devez pas être si terrible que ça. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir. Je suis un loup-garou. J'adore tuer. J'aime Astrid. Je déteste les casse-pieds. Et le bleu est une couleur qui me donne mal à la tête. Ouais, bonne chance. Alors vous êtes le nouveau membre de notre petite famille dysfonctionnelle. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Épargnez-moi les politesses pour le moment. Je ne compte pas nouer des liens avec quelqu'un qui pourrait mourir demain. Si vous êtes toujours parmi nous dans quelques semaines, je suis sûr que nous pourrons être amis. Vraiment. Eh bien, il se trouve que j'ai effectivement quelques contrats dont je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper. Et j'en reçois d'autres de temps en temps. Je vous les confierai au fur et à mesure et vous pourrez les accomplir à votre gré. Évidemment, pour être honnête, ce ne sont pas des assassinats très importants et la paye n'est pas glorieuse non plus. Mais au moins, ils vous occuperont. Faites de votre mieux. Inutile de vous presser, les cibles n'iront nulle part. Vous pouvez rendre vos contrats un par un à mesure que vous les terminez, ou bien attendre que toutes les cibles aient été éliminées. C'est vous qui voyez. Ah, eh bien je suis un rouge-garde, comme vous l'avez sûrement remarqué. Mais bien différent de mes semblables de bord de ciel, croyez-moi. Je suis un fils de l'enclume, né des sables du glorieux Alikir.
Dans ce grand désert, le sang est d'une nuance écarlate que j'aurais peine à décrire. Mon passé est long et rempli d'histoires dont je ne suis pas forcément fier. Mais la confrérie noire m'a sauvé de moi-même, et je ne l'ai jamais regretté. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. J'ai 3 contrats pour le moment. Vos cibles sont Narfi le Mendiant, un ancien ouvrier de Syrie du nom d'Enodius Papius, et Béthilde, propriétaire d'une mine. Lorsque vous aurez rempli ces 3 contrats, j'en aurai peut-être d'autres à vous proposer. C'est un misérable mendiant qui habite dans des ruines aux alentours de Fort Ivar. Un jeu d'enfant, même pour vous. Elle s'est séparée de son mari il y a plusieurs mois, et maintenant ils dirigent tous deux des mines concurrentes. Béthilde est farouche et désespérée, c'est une battante. Il habite juste à côté de la scierie d'Anga, dans les bois. Il travaillait là-bas autrefois. Mais maintenant, ce n'est plus qu'un ermite paranoïaque qui est persuadé que quelqu'un veut sa peau. Pas si paranoïaque que ça, finalement. Allez, partez. Bienvenue dans notre sanctuaire, mon frère. Vous avez fait le bon choix en vous joignant à nous. Soyez-en assurés. Si vous avez confiance en Astrid, et si vous suivez ses ordres, tout se passera bien. J'étais autrefois un sombre écaille au service du roi du Marais Noir. Depuis mon éclosion, j'ai suivi l'entraînement de la confrérie noire. C'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je suis le dernier de ma race. Mon ordre n'existe plus, et je suis au service d'Astrid et du Sanctuaire. Je suis un tueur expérimenté et j'ai enfin un nouvel objectif. Ma vie me convient. Tuer bien. Et souvent. Voilà. Astrid m'a parlé de vous. Elle m'a dit vous avoir fait la vieille blague du « choisissez votre victime ». Ah, je l'adore, celle-là. Vous allez vous plaire ici. On s'amuse drôlement et on prend soin les uns des autres. Comme une vraie famille. Je suis qu'une petite fille. La confrérie noire a tué ma maman et mon papa et ils m'ont fait prisonnière. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est convaincant, non? En vrai, je ne suis pas plus une petite fille que vous. Je l'ai été, bien sûr, il y a des siècles. Le vampirisme a pour avantage de bien conserver les chairs. Amusez-vous bien! Oui, je sais. Vous êtes le nouveau membre de la famille. Je vais vous faciliter les choses. Considérez-moi comme le vieil oncle grincheux à qui personne ne parle. Vous vous occupez de vos affaires, et moi des miennes. J'aime à dire que je suis né avec une baguette magique dans la main. Enfin, pas au sens propre. Ça aurait été un peu difficile pour mère. Mais j'étais un véritable prodige. À l'âge de 1 an, je jetais des sorts simples et à 3 ans, je récitais des incantations complexes. À 7 ans, j'étais même capable de ressusciter des morts. À 13 ans, j'ai accidentellement mis le feu à la maison familiale. Un éclair mal lancé. Cela dit, peu après, je maîtrisais totalement mes dons. Je suis devenu professeur à l'académie et j'en suis parti au bout de 2 ans. Trop simple, trop sûr. Personne ne comprenait vraiment toute la beauté de l'école de destruction. C'est ça, bon vent.
tuer plein de gens, vive City, c'est toutes ces sottises. Nouveaux frères, du fond du cœur, je vous souhaite la bienvenue dans notre famille. On ne peut pas dire que vous manquez d'énergie. J'ai hâte de suivre vos progrès. Quelle étrange question! Eh bien, j'aime les clairs de lune, les longues promenades sur la plage, le tricot et les licornes. D'ailleurs, un soir de clair de lune, je me suis promenée longuement sur la plage et j'y ai vu une licorne que je me suis empressée de poignarder avec une aiguille à tricoter. Mes goûts sont simples et raffinés. Faites attention.